est à monsieur Stéphane Demy. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la fin des quotas sucriers, effectivement entrée en vigueur il y a un an et demi, a des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la filière betteravière française sucrière. Alors que la tonne de sucre atteignait 411 euros en novembre 2017, elle ne se négociait plus qu'à 320 euros fin 2018 sur le marché européen, tombant même à 308 euros en France. C'est dans ce contexte, cela a été dit, que l'allemand Südzucker a annoncé la fermeture de deux usines Saint-Louis Sucre en France, dont celle d'Épeville dans mon département, avec le transfert de 120 salariés. Plusieurs questions se posent dès à présent. L'impact sur les 2600 planteurs de betteraves qui alimentent les usines de Roy et d'Épeville, l'avenir des 600 emplois directs et indirects générés par la sucrerie condamnée, la perte d'emplois pour les saisonniers, les conséquences humaines terribles pour les familles concernées, la perte de fiscalité pour les collectivités et bien sûr le devenir de ce fameux site industriel. Avec la suppression de 20 000 hectares de betteraves, c'est l'ensemble d'un écosystème économique local qui est menacé, dans un bassin pourtant de production historique et compétitif. Monsieur le ministre, nous refusons de voir cette fermeture comme une fatalité. La situation conjoncturelle actuelle ne saurait être utilisée pour casser des outils de production et réformer structurellement une filière avec des arguments court-termistes et purement capitalistiques. La France paie ici un trop lourd tribut. Écoutez ces chiffres. Sur une base de production de 700 000 tonnes annoncée par Südzucker, ce ne sont pas moins de 500 000 tonnes qui sont retirées à la France, soit 10% de la production française. C'est la France qui trinque, vous l'avez compris. Comme mes collègues Sébastien Leclerc et Laurence Dumont, je vous demande, monsieur le ministre, de prendre ce dossier en main dans les plus brefs délais, d'exiger de Südzucker de rendre des comptes sur les 8,8 millions de CUCE touchés et de travailler, bien sûr, à une solution de long terme avec les acteurs concernés. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Aujourd'hui, vous l'avez dit, trois députés ont posé la question, c'est dire, et sur plusieurs bancs, c'est dire si ce sujet est quelque chose de très important. Il faut réagir assez vite. Aujourd'hui, la situation concerne Südzucker, qui est la troisième coopérative allemande, troisième coopérative en France, qui représente 17% de la filière en tout et plusieurs milliers d'emplois, vous l'avez dit. Le gouvernement ne peut pas accepter cela. Vous posez la question sur le CICE. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, a souhaité transformer le CICE en baisse de charges, parce que le CICE que j'ai moi-même soutenu et qui est important pour l'économie des entreprises, aujourd'hui, il n'y avait pas... De contrepartie. Aujourd'hui, ça ira directement pour l'emploi avec la baisse des charges. Alors, ce que nous allons faire plusieurs choses. D'abord, quelque chose de conjoncturel, essayer d'amener des aides assez vite aux planteurs. Deuxièmement, nous discutons déjà avec la Commission européenne afin de voir si, comme ça avait déjà été le cas, il est possible d'avoir un maintien qui pourrait être fait. Et puis enfin, comme je l'ai dit à vos deux autres collègues, vous serez associés dès les heures et les jours qui viennent dans les rencontres avec la filière et, en tout cas, dans les heures qui viennent, je vous dis, dans les jours qui viennent, monsieur Demilly, parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Sachant que nous parlons de la troisième coopérative qui n'a que 17% de l'activité, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans la même difficulté. Aujourd'hui, avec la fin des quotas, je l'ai dit, les cours se sont effondrés et la production a augmenté. Il est donc temps, avec les responsables de la filière, de réfléchir à une restructuration en profondeur. Il en va de l'intérêt de notre activité sucrière, comme du bioéthanol qui est concerné par cela. Mais nous y travaillons, monsieur le député. Je vous remercie. Merci.